through nothing for good. Et bonjour à tous et à toutes. Suite de notre let's play de Yakuza Ishin. Bon. On va essayer d'avancer un petit peu. Après tout, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Alors, on s'est arrêté la dernière fois. On nous avait demandé de retourner à notre hôtel. Le Terada Inn. Et Orio en fait était parti. Il avait fallu qu'on retourne la voir, qu'on lui parle un petit peu. Pour qu'elle se calme et qu'elle retourne elle aussi à l'hôtel. Donc voilà, et ben on retourne à l'hôtel. Rien d'extraordinaire jusque là. Konnichiwa. Alors j'espère cette fois-ci que ma carte graphique va pas encore s'en mêler. Enfin, pas ma carte graphique d'ailleurs. Mon boîtier d'acquisition. C'est une horreur ce truc, ça marche une fois sur deux. Non, tiens, par là. Oh, mais il y a des bandits. Oh, dis donc. Oh, et oh. Bien sûr que j'interviens. Même si j'espère que c'est ça que je dis. Si, ouais, c'est bon. S'ils se retournent, c'est qu'ils sont pas contents. Très bien. Va te déceler, oui. Quoi encore ici? Tiens, découpage en bonne et due forme. Voilà. On laisse les dames. Ça dégage. Ouais, dégagez. Tirez-vous les losers. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on court dans le jeu? Comment je faisais pour quoi? Dites-moi. Ah, comme ça. Ah bah là, il donne tout. Hein. On sent que... C'est pas son fort, la course, Ryo. Ah ouais, là. il a eu mal. Allez-vous, vous. Je suis prêt, ça fait que du bien, ça. Ah, ok. Et... Oh, attends. Ah, j'ai raté. Ah, j'ai raté. Toi t'es là. Et t'es encore parti, allez. Oula. Alors. Ah non, j'ai pas le temps. Excusez-moi, monsieur Dan, mais... Ah, c'est bon.
Qu'est-ce que c'est? Ah, des bandits. Quoi, t'as osé me frapper toi? Tiens, on va essayer. T'es là toi? Non, vas-y. L'attaque du tigre. Vous savez, vous êtes calmés les gars. Allez, Zou. Tout de suite, la suite. Donnez-moi vos trucs. Mais... filez-moi des sous. Et ça dégage. Alors. Otose nous attend. Elle va nous expliquer quand, son... quand notre absence... quelqu'un est venu nous chercher. Elle ne sait pas qui c'était, mais elle dit qu'il parlait avec un dialecte de Tosa. Et elle va raconter à Ryoma que l'homme à qui a dit qu'il l'attendait, à Kiyomi Zudera. C'est bon, tu es joli, il est superbe. ただちょっと土佐なまりのあるお侍さんやったね。土佐の。でな、その人清水寺で待ってるって言うてはった。清水寺に。そう。そもそもいつ帰ってくるかわからへんって言うたんやけどね。構わへんからそう伝えてくれって。それにしてもあんたにお客さんなんて珍しいわ。 Allez, on se casse. Allez, allons-y. Donc ça a l'air d'être là-haut. C'est très bien ce petit GPS là, c'est parfait. Un petit truc en bas là, c'est quoi? Hop. Les mecs bourrés. Ah, ils ont, ils sont tous défoncés. Bon, le pont il est plus haut, il faut qu'on monte par là. Ah, des bandits. Des bandits. Et hop. Ah, qui est pas mort, c'est toi? Bien vu. Toi non plus. Nouvelle, il faut que j'essaye de booster ça. On va passer par là, ouais.
Voilà. Ah non, il nous en restait encore. Je vais tout mettre dans le sabre, hein. Voilà. De toute façon, on se bat un paquet de fois. J'ai l'impression qu'on a largement de quoi monter tout. Puis en voilà un autre. Toi. Ouais, bagarre. J'ai pas vu quoi les gars ou qu'est-ce qu'on a. Ouais, ça a commencé quand même. Ça c'est pas mal. Voilà. Tu restes au sol. Et voilà. L'affaire est faite. On est souvent attaqué dans le jeu quand même. Hein. C'est bien les gars, on reste au sol. Allez. Encore un petit truc ici. Après, je crois bien que j'avais choisi le mode facile, je pense. Du fait que c'était en japonais. Bon, vous, je vais essayer de vous lâcher parce que vous êtes lourd. Par ici. T'as une poursuivre, hein. Donc. Oh, ça y est, Ryuma est plié. Voilà le pont. Oh, les autres boulets m'attaquent. Alors, nous voici à Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera. Ah, je fais ce que je peux, hein, mais c'est assez complexe. Je suis carrément pas habitué à la langue. On arrive de nuit, on va aller jusqu'à un temple donc. Oh. Mais qu'est-ce que. Ah non, une quête, j'aurais pas dû lui parler. Je vais lui filer un peu de vie. Prends ça, ça te tire mieux. On augmente notre répute, hein. C'est toujours ça de prix. Alors, c'est très calme ici. On va sauvegarder, ça sera parfait. Il semblerait que là, ce qui nous attend, c'est une petite quête de combat, là.
Et c'était pas qui, c'est que du bois, ça flambe. Takechi Hanpeta o otteta ra igai na omono ga tsureta. Kore mo unmei tte yatsu ka. Oi oi, masaka konna tokoro de nuki ja ne daro na. Ore o yobidashita no wa omae ka. Tosaro nin Nagaoka Shintaro da. Ryoma va donc lui demander si c'est celui qui nous a appelé ici. Il va dire que oui, il s'appelle Nakaoka Shintaro. C'est un samouraï de Tosa. Nakaoka Shintaro. Il dit qu'il veut parler à Ryoma. Et il dit qu'il était là quand Yoshida Toyo a été tué. Donc Yoshida Toyo, c'est notre père. Hein. C'était un des gardes. Nakaoka to itta na. Anta nani mon da? Yoshida Toyo-sama no tsukibito da. Tadashiku wa moto da ga na. Toyo-sama ni wa kaeshi kirene go-on ga aru. Il va nous expliquer qu'il était là quand Ryoma et Takeshi étaient là. Et Ryoma va être étonné parce que autant il était normal qu'il sache qu'il était là lui, et pas Takeshi. Et il va nous expliquer que c'était l'assistant de Toyo. Et qu'il savait le secret que Ryoma et Takeshi venaient... Il savait que Ryoma et Takeshi venaient cette nuit-là. Il est là lui aussi pour se venger de l'homme qui a tué Yoshida Toyo. Il va nous expliquer tout de même qu'il sait qu'on n'est pas le tueur de notre père. Il sait que le vrai tueur c'est quelqu'un d'autre. Il va nous expliquer que il pense que Hanpeita est derrière tout ça. Il va souligner que Hanpeita a beaucoup à gagner de la mort de Toyo, qui est devenu Jochi. Il a récupéré donc une position très importante. Et c'est pour ça que lui est à Tokyo, enfin Kyoto, pardon, pour retrouver Takeshi. Et nous, on va lui expliquer qu'il a loupé quelque chose d'autre, qu'il y avait quelqu'un dans la pièce, en plus, un autre tueur. Et ils vont décider tous les deux d'unir leurs forces pour trouver cet homme. Takechi Hanpeta da. Ora so miteru. Nan da to? Takechi Hanpeta. Soshite Tosa Kinno to no daiyakushin. Han no sansei datta Toyo sama ga ikite ireba, Takechi mo koko made Tosa o omoi dori ni wa dekinakatta hazu da. Mashite ya Takechi wa joushi ni made shougaku shite iru. Kore ijou ni toku shita yatsu ga hoka ni iru ka? Da ga masaka. Zettai ni chigau to iikireru no ka? それであんたは竹地を追ってたってわけか。ああ。で、やつを嗅ぎ回ってるうちに偶然あんたに出くわしたってわけだ。なるほどな。確かにあんたの推理は筋が通ってる。だがな、あんたは大事なものを見落としてる。なんだって？あんたらが駆けつける前にもう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな、俺たちは見たんだ。そいつがおやっさんを切るの。犯人はそいつだ。実はな、
俺もあの事件の真相が知りたくて、その男を追ってるんだ。そうだったのか。どうやら、お前は俺の知らねえことをだいぶ掴んでるらしい。今度は、俺が話を聞く番だな。俺の方も長話になるぜ。なるほど。だからあんたは新選組に入ったのか。覆面の男を追うために。ああ。そこまでヤバい橋を渡ってんだ。手応えはあったのか。山並圭介と長倉新八は覆面の男とは思えない。新選組に入って掴めたのはせいぜいその程度だ。いや、入隊してまだ何日も経ってねえのに大したもんだ。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きづらい局面もある。だからよ、坂本さん、ここは俺と手を組むってのはどうだ。俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか。ああ、あんたの言う通りかもしれねえな。よし、なら決まりだ。あいつらはやべえな。土佐勤皇党だ。俺が竹千を嗅ぎ回ってたのを感づかれたか。中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃してもらえるとも思えねえ。Excusez-moi. Ma... Coup de téléphone, il a fallu partir. 勤皇党の邪魔をする人間には消えてもらう。覚悟はできとるの。Ben ça, c'est les membres du parti royaliste. Ils viennent essayer de le tuer lui. Et nous aussi. Car tout bêtement, ils l'ont vu lui partir et quitter aussi ces groupes. Donc ils veulent faire d'une pierre deux coups. Allez, un petit combat au quart de lune. Ça, ça calme. Tous les membres du parti royaliste, ils ont des flingues. Ce qui peut être très gênant. Et hop. Et pas mal cette petite attaque là. Ah, si c'est lui qui doit m'aider, ça va pas gagner parce que... Il est lent, je m'occupe de tout. Allez, on est reparti. Superbe ce coin là. Bon, il va falloir esquiver, j'ai l'impression.
je vais essayer de d'attaquer un peu plus près. Eh ouais les gars, maintenant que je suis là, c'est différent. Si avec tout ça je monte pas en level là. On pas mal ça aussi. Faire ce qu'il faut là-bas. Ce coin est très très chouette. Encore une tireur. Continue. C'est bon. Les gars, vous êtes trop loin, mais proche. Ah, yes. Très bien. Avec ton masque, ça ne suffira pas. Merde. Ah merde. Ah si, ça suffit. Ah mais lâche-moi. Ah oui. Quand il a commencé. Ouais, c'est un peu lâche. Je... Allez, finissons-le au sol. Allez! Et maintenant il va nous expliquer que apparemment il est comment il s'appelle Takeshi est retourné à Tosa car il a été convoqué par Daimyo Yamoshi Yodo et Daimyo ça a l'air d'être un grand général très puissant. Et Takeshi n'aurait jamais rien fait si Daimyo avait été là déjà à l'époque.
Parce que c'est clair qu'il a toute une armée, donc ils n'étaient pas assez puissants pour prendre le pouvoir à Tosa. さっき江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令で呼び戻されたんだ。それはどういうことだ。まず大殿の山内陽道公、この方は先の安政の大国で失脚して以来ずっと江戸に隠居させられていた。幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持っている。 Ils vont dire qu'ils restent en contact et qu'ils vont essayer chacun de trouver des... De quoi trouver des informations, quoi, essayer de récupérer des informations chacun. Il sera à l'auberge de Terada lui aussi. Et il dit qu'il va fouiller lui aussi du côté du Shinsengumi pour trouver ce fameux tueur. ロージンたちを手なずけて事実上土佐を牛耳ってる。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろ。1年前陽道公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり竹千代土佐金の塔にとってはまずいことになるってことか。そいつは陽道公の出方次第だな。 今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえるって仕事がな。竹千代は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽど安全だよ。今のところはな。ああ。Effectivement, depuis la mort de Tosa, le fameux Yodo est revenu à Tosa. Non, je vous dis des bêtises, c'est pas ça, c'est pas déjà du tout. Il dit que Yodo a chargé Toyo Yoshida de s'occuper de Tosa. Donc Toyo Yoshida, c'était notre père. Et Maître Yodo ayant été assassiné, Yodo est finalement revenu à Tosa après avoir été pardonné par le shogunat. Donc c'est bizarre. Il aurait pas dû être pardonné. Moi je suis en train de faire des bêtises parce que je n'utilise pas la bonne touche. Kanbu tachi no omoaku ga uzumaku naka. Shinsen gumi de Ryoma wa hitori fukumen no otoko no tegakari o sagasu. Sonna naka 吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。 Il est bien étonné de voir que Takeshi a été rappelé à Tosa parce qu'il domine maintenant Tosa. しかし、土佐藩の王都の山内陽道が土佐に戻ったことを知る。そして時同じくして、竹地半平太に土佐帰還命令が下る。Que Tosa ne devrait pas plaire à Yodo. Et on finit le chapitre. あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん。さ、おりおちゃん。 Elle nous dit que on a su nous réveiller tout seul. C'est assez inhabituel. Et elle nous donne une chose extrêmement importante. Notre kimono du Shinsengumi. Donc voilà, capitaine de la troisième... du troisième clan du Shinsengumi. Omae ga suso naoshite kureta no ka? Kini sentoite, chanto odai wa itadakusakai.
おかみさん。せやね。斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。On va lui demander si elle a ajusté la taille. Et que tout ça, évidemment, sera rajouté à la note. Et si on devient assez célèbre, on devrait pouvoir améliorer la ville avec le pouvoir qu'on a maintenant. On pourrait peut-être même restaurer l'hôtel, on ne sait jamais. Et on dit qu'il n'y a que des femmes vénales dans cette ville. Et là, elle nous dit qu'on devrait se mettre en route. Qu'il va falloir prévoir un repas et un bain à notre tour. Cela pète un peu, c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, on aura les détails de notre première mission. Et là, ce kimono va tout changer. On n'est plus un simple samouraï. On est le capitaine de la 13e section. Bon, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. On aura quand même fait pas mal de petites choses. On aura fini un nouveau chapitre. Et on va démarrer le prochain chapitre à la prochaine vidéo. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne et agréable journée. Une bonne soirée, une bonne nuit peut-être. Et quand ce confinement sera fini, on va essayer d'aller au Japon. Car vraiment, moi pour y avoir déjà été, j'y ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et c'est clair que ce genre de jeu me donne très envie d'y retourner. Car ce petit côté paisible, ce petit côté bois et ancien, on le retrouve là-bas, on le retrouve vraiment. Alors vivement que cette maladie se barre, pour qu'on puisse recommencer à voyager et à profiter de tout ça. Allez, bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.